Avec la jeune dame du groupe, c'est Jade alias Mademoiselle Phébus qui est avec nous pour la troisième fois, je crois bien, oui. Ouais. Elle fait du théâtre. Mmh. Allez voir, tu es prête? Voilà. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Mademoiselle Phébus. Aujourd'hui, en fait, j'ai envie de parler, de raconter une petite histoire. Fulgence m'a invitée il y a quelques semaines à cette soirée. Et page blanche. Complètement. Donc, il restait une journée avant de vous voir ce soir. Et puis, j'étais avec ma tendre amie qui a décidé d'apprendre une chanson à la guitare. Puis, il commence à la jouer. Et je me suis mise à pleurer. Cette chanson-là me rappelait qu'il n'y a pas si longtemps, notre monde de building qui empoisonne l'air a décidé de laisser grandir un nénuphar. Un nénuphar comme celui qu'il y avait dans les poumons de Chloé, la Chloé de Boris Vian. Donc ce nénuphar a décidé de se loger sous le cerveau, de planter ses racines le long de la colonne vertébrale d'un petit enfant roux qui criait, mais qui criait tellement fort. Le nénuphar lâche. Je crois qu'il n'avait pas 9 ans encore. Et puis cette chanson-là qui m'a fait pleurer, c'était sa préférée. Puis un enfant de 8 ans qui a cette chanson-là préférée, quand on y repense maintenant qu'il n'est plus là, c'est incroyable, ça déchire le cœur. Donc, ce que j'ai décidé de faire ce soir, c'est pas de la chanter, je vais vous épargner les oreilles, mais de la livrer un peu comme une prière pour que tous ensemble, parce que je suis persuadée que vous êtes parmi les nombreuses personnes qui connaissent cette chanson, de la partager ensemble. Et puis voilà. Donc, s'il y en a qui ont envie de se joindre, sentez-vous libre, à l'aise. L'arlédoc où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits et bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu. De mirage, traînant d'un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais débarbouiller ce gris en virant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère sera moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour, avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main.
je perds la notion des choses. Et soudain, ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tendant les bras l'amour qui, comme un fou, court au devant de moi et me pend au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un bonjour en rafio craquant, de la coque au pont, pour partir je travaillerai dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfance, sous des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles alanguies nous ravissent le cœur en tressant, m'a-t-on dit, de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai, laissant là mon passé, sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré, en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Jade alias Mademoiselle Phébus. Merci bien, Jade. Merci. Applaudissez-la encore une fois, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Madi, tu m'invites quand tu veux, je viens. merci d'être là. Et puis, c'est la relève, hein, il faut l'encourager. Elle n'a pas encore publié. S'il y a des gens, des éditeurs dans cette maison, dans cette salle, n'hésitez pas. Elle a plein de textes à faire découvrir. J'ai pas mal aimé les performances des poètes. J'ai bien aimé l'expérience aussi de jouer pour eux autres, de faire ma musique. Même des fois, je mettais des compos, je mettais toutes sortes d'affaires. Puis vraiment, c'est une belle expérience à vivre. Puis, je le souhaite à bien du monde à le faire, en fait. Hein, plus que d'autres choses. Mais les soirées, voyons, vivre en Poésie, c'est vraiment cool. Non? J'aime bien ça. Puis, j'espère que ça va continuer. Puis j'espère pouvoir en faire encore. Thank you.